saying English? English is better? Okay. Okay, number 20 at 11:40. Okay, thank you so much. Bye bye. Thank you. Bon. Retire. Sant'Angelo? Bon, plein centre de Rome, et aujourd'hui on va parler drone. Ou plutôt voyager avec un drone. J'avais envie de revenir un peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions aussi qui se posent, que c'est assez contraignant, qu'il y a beaucoup de gens aussi qui regardent les vidéos par rapport aux plans et aux shoots en drone. J'ai actuellement un DJI Phantom 4, j'avais anciennement un DJI Phantom 2. Je voyageais très différemment avant que maintenant. Comme vous l'avez vu, moi j'ai un sac Polar Pro depuis quelques mois et ça fait vraiment la différence. Avec le Phantom 4, je peux enfin me balader partout depuis le lancement de la saison 2 des vlogs, c'est ce que je fais. Anciennement avec le DJI Phantom 2, je prenais tout bêtement une vieille boîte en plastique que j'avais acheté chez Brico Dépôt. Ça change vraiment tout de voyager en cabine avec ce sac. Mais si vous comptez vous rendre à l'étranger avec votre drone, partir en voyage avec, voici quelques modalités dont j'aimerais parler avec vous, en tout cas pour ce qui est de l'aéroport. Déjà, si vous amenez votre drone en cabine, il ne faut pas du tout avoir d'appréhension par rapport à ça. La question qu'ils vont vous poser, c'est surtout par rapport aux batteries. La plupart des batteries des drones font moins de 160 watts, donc ça reste en vigueur et on peut les prendre avec nous. Alors, à deux conditions, que les batteries soient chargées, parce qu'ils doivent vérifier si elles sont en état et si elles ne sont pas défectueuses. Et puis, deuxièmement, elles doivent être enlevées de votre drone, elles ne doivent pas se trouver en contact, donc en fait être enclenchées dans celui-ci. La plupart du temps, les compagnies acceptent, il n'y a pas du tout de souci là-dessus. Et vous pouvez aussi vous rendre directement sur les sites des compagnies aériennes à l'avance. Il y a toujours un onglet où c'est toujours écrit quelque part. La deuxième question qui se pose très fréquemment aussi, c'est où tu peux utiliser ton drone, où tu ne peux pas. Il y a des réglementations là-dessus dans chacun des pays, c'est très différent. C'est pas parce que tu suis la réglementation en vigueur en France qu'elle est applicable dans tous les pays. Par exemple, tu veux te rendre au Maroc, et bien sache qu'au Maroc, le drone est même interdit à l'entrée du territoire. Mais pour que tout ceci te paraisse beaucoup plus simple, je te mets un lien dans la description qui est vraiment génial et qui reprend finalement tout l'ensemble des pays du monde cartographiés, et il te met si c'est oui, si c'est non, si c'est rouge, si tu peux emmener ton drone, si tu peux pas, si c'est en vigueur ou si c'est pas en vigueur. Bon, bref, ce site, à chaque fois que je choisis une destination, je me rends directement sur ce site pour me dire hey, est-ce que je peux utiliser mon drone ou pas, direct dans la description. C'est vraiment le lien le plus utile finalement quand tu as un drone. Je rappelle la loi en vigueur par rapport à 2018, donc le drone doit forcément être enregistré à la DGAC. Depuis 2018, on doit aussi se rendre toujours sur le site de la DGAC afin de passer une évaluation, qui reste la grosse nouveauté de 2018. Et là, je parle toujours pour les drones de plus de 800 grammes, hein, les Phantom 4, Phantom 3, Phantom 2. On doit respecter une consigne lumineuse, mais bon, ça ne s'applique pas parce que nos drones en sont équipés. Toujours à plus de 200 mètres des habitations, loin des gens, loin de toute habitation privée, et bien sûr en dehors des no flying zones, donc tout ce qui appartient à l'état, les lieux privés, militaires et puis les aéroports. Bon voilà, comme j'étais un peu saoulé avec la législation par rapport aux drones, maintenant on va passer à ce qui m'intéresse finalement le plus: comment prendre des images, où et quand et comment sortir ton drone quand tu voyages. Petites images de Sant'Angelo juste en face, j'adore cette ville. Alors comment je fais pour prendre ces gros shoots? Comment je fais quand je prends mon drone en voyage et que je prends toutes ces images? Déjà, je pense que le premier truc et le premier conseil que je peux donner, c'est de jamais avoir peur, de ne jamais hésiter sur une quelconque situation. Quand t'as qu'une envie, c'est de le lancer parce que tu te dis ça, je le veux dans mon vlog, je le veux dans ma vidéo, et que c'est forcément que ça va être bien par la suite, qu'il faut le faire. Et faut pas forcément te dire putain merde, je pourrais peut-être le paumer dans un arbre, je pourrais peut-être me faire engueuler pour un truc comme ça et tout. Oui, tu vas, ça va t'arriver, ça va forcément t'arriver de peut-être te prendre quelqu'un qui vient parler, qui dit non c'est interdit, comme ça m'est arrivé souvent aux États-Unis, comme ça m'est arrivé aussi en Argentine. Je pense que même si des fois c'est pas forcément très réglementé ou même autorisé, eh bien je pense que des fois ça vaut quand même le coup de peut-être faire 100 ou 200 mètres et de lancer quand même ton drone. Mais ça m'est vraiment jamais arrivé de bah voilà, que la police arrive, de me faire piquer le drone, qu'on me demande de supprimer mes images, parce que finalement tu le fais avec une certaine justesse et puis avec une intelligence, et je pense que ce serait peut-être la seule des lois que tu devrais t'appliquer. Et tu vois, je vais te donner un exemple tout bête. Je suis en plein centre de Rome, je suis entre le Vatican et puis derrière le château Sant'Angelo. Ça me viendrait même pas à l'esprit de me trouver un endroit ici, même si on est très tôt le matin, qu'il y a encore personne dans les rues. Et là je pourrais très bien lancer le drone depuis un parc ou quoi, mais je vais pas le faire parce que je connais pas la ville, parce que je me ramène un peu comme ça entre deux avions, et puis j'ai pas forcément eu le temps de regarder un peu où je pouvais aller, où je pouvais faire voler, et puis je connais même pas les législations en vigueur en Italie, donc là je le fais pas, c'est une question de bon sens par exemple. Et si on parle juste de l'aspect technique, comment prendre les images, et bien à chaque fois je fais un peu un appro, un bâtiment, une plage, ça peut être n'importe quoi, une colline. J'ai un peu basé mon vol sur
mon point de départ, là où je l'envoie, le faire tourner tout autour de moi et puis essayer de balayer le maximum de surface finalement. Il faut aussi prendre en compte les distances. Si tu essaies de filmer quelque chose qui est loin, ton drone, même si tu mets en hauteur, par exemple les montagnes, c'est un très bon exemple, il va pas y avoir la concordance avec les distances. Le spectateur va pas pouvoir se rendre compte finalement que c'est loin, que c'est spectaculaire, que c'est grandiose. Je privilégie plutôt les plans assez serrés sur un sujet en particulier, sur un camion qui passe, sur un pote qui passe devant moi, sur un ponton, sur quelque chose comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un sujet, c'est vraiment ça le mot de base. Choisissez un sujet et faites un focus là-dessus. Essayez de donner vraiment une dynamique par rapport à mes images et que ce soit pas du bête plan, allez j'avance avec le drone, je recule en plan fixe. Il faut vraiment que dans votre tête, vous imaginez déjà les images sur votre ordinateur. Il faut que vous vous dites, ok, quand il est en l'air, qu'est-ce que j'ai envie que ça rende sur mon vlog? Qu'est-ce que j'ai envie que ça rende avec les images que j'ai filmées avant en GoPro? Je me tiens à deux points essentiels qui sont la première est de répondre, finalement pour celui qui va regarder la vidéo, à la question spatio-temporelle. Où se situe l'action et quand? Si on est en matinée, si on est au milieu de la journée, si on est en soirée. C'est bête comme ça, mais je pense que ça a son pesant d'intérêt parce que finalement, tu te mets beaucoup plus dans l'action. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, comme vous l'avez vu dans un bon nombre de vlogs, je travaille essentiellement avec la musique. Pour tenir en haleine au maximum le spectateur, eh bien, je couple ça avec des plans en drone. Ça dynamise vachement la chose, ça rend beaucoup plus intéressant aussi la musique. Voilà, je m'en tiens vraiment à ces deux choses-là et je pense que si vous aussi, vous vous y tenez, je pense qu'il y a moyen de faire des choses très intéressantes et surtout en storytelling. Voilà, c'était cool de parler un peu de drone avec toi. Ça fait du bien dans ce daily vlog et puis même, ça fait super plaisir de revenir ici à Rome. C'est la troisième fois que je viens entre deux avions, 6 heures, c'était parfait. Et puis d'ailleurs, je suis assez curieux, dis-moi un peu si toi aussi t'as un drone, de quel team tu fais partie, Phantom 2, Phantom 3, Phantom 4, DJI Mavic, DJI Mavic Pro, DJI Mavic Air, enfin bref, dis-moi ce que t'as comme matos, ça m'intéresse aussi. Et puis je te dis à bientôt pour un autre vlog. Ciao.